de l'A400 surnommé le Grizzly avec les compliments d'Airbus Military, Dan Strongman et Michel Gagné. Four times 11,000 horsepower lifting this aircraft, 300,000 pound aircraft into the air in the hands of Michel Gagné and pilot Ed Strongman. Interesting if you can watch the propellers. They are contra-rotating in the sense that the propellers on the same wing turn in opposite directions to counteract the couple, that the torque reaction is created by propeller rotating. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une des particularités de l'A400M, c'est d'être un avion tout autant civil que militaire. Les moteurs, qui s'appellent les TP400, ont été certifiés au niveau européen par l'EASA. C'était en mai dernier, je crois, oui, en mai dernier, et donc voilà un avion qui pourrait être utilisé aussi par des compagnies aériennes. Bien sûr, c'est un avion de transport militaire, mais c'est aussi une caverne volante à l'intérieur de laquelle on pourra transporter en cas de grande calamité, comme ça a été le cas en Haïti, par exemple. À chaque vol, 20 tonnes de matériel, 20 tonnes d'équipement, et une drôle de silhouette avec laquelle il va falloir s'habituer. Impressionnant. A400M engines received EASA certification quite recently in May of this year. The aircraft is certified both in the civil sector and in the military.